Camarade d'Afrique, l'heure est grave. La Côte d'Ivoire, mon pays, ça va pas. Dans Ouattara, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut aux Ivoiriens. Après les mosquées, après près de 20 mosquées détruites en Côte d'Ivoire, Dans Ouattara décide de s'attaquer aux églises. Il est en train de démolir les églises. En moins d'une semaine, il a démoli deux grandes églises. Deux grandes églises. J'ai un camarade d'Afrique, on va suivre la vidéo. Soyez béni, chaque peu de Dieu, à la destruction de la mission évangélique de la Suisse. Vous voyez ici, c'est là qu'on présente les enseignements. Les enseignements du Dieu avec la personne de Dieu, la carte de l'émotion. On enseigne ici avec les chrétiens comment faire pour rentrer en possession de son miracle, de ses bénédictions. Comment faire pour vivre les sanctifications. Il y avait ici la troisième grâce, après la deuxième grâce et la quatrième grâce. Vous voyez, tout cela a été détruit. Tout cela a été détruit. On n'a reçu aucune formation, aucun document. Ce message est pour tous les chrétiens. Vous connaissez le papa, on ira toujours. Vous pouvez partager ce direct, Tout le monde va se dire. Vous voyez, la mission évangélique de la Suisse est en train d'être détruite. La mission évangélique de la Suisse est en train d'être détruite. Alors que le Seigneur dit, nous avons la foi et l'espoir. Mais s'il vous plaît, relayez cela. Partagez ce direct. On n'a reçu aucune sommation, aucun document. On n'a reçu aucun document pour nous prévenir de cela. Aucun document. S'il vous plaît, partagez cela. Ils ont déjà commencé à attaquer derrière à l'entrée de l'église, à l'entrée de l'église. Ici nous sommes à l'arrière. Si vous suivez bien, il y a un premier direct qui a été lancé. Et dans ce direct, on a montré déjà que l'entrée de l'église a été détruite. Il y a trois cathédrales qui ont été mobilisées pour cela. S'il vous plaît, partagez ce direct. Et priez beaucoup pour la mission de la Suisse, priez pour les pasteurs Togo. 30 ans de ministère. À cet endroit, des gens venaient se ressourcer, ils venaient prier le Seigneur Jésus pour obtenir un miracle de délivrance. C'était un ministère de délivrance, nous ne faisons pas de la politique. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cet endroit n'est pas une zone à risque. On n'a reçu aucun document. S'il vous plaît, partagez massivement ce direct là pour soutenir les pasteurs. Partagez massivement ce direct là. Si vous faites quelque chose, faites-le. Mais surtout, partagez massivement ce direct là. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à la source, ce qui est en train d'être détruit. Je vais vous montrer un peu, on va faire le tour ensemble. Vous voyez, c'est tout cela qui va être détruit. Vous voyez, c'est tout cela. Ça, c'est la salle célébration. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à la source, la salle célébration en train d'être détruit. C'est tout cela. C'est Bethany, c'est là où les représentants tombent. Bethany va être détruit. C'est tout cela qui va être détruit. C'est tout cela qui est en train d'être détruit. Oh Seigneur. Le temple va être aussi détruit. Dans quelques instants, le temple va être détruit. Vous avez vu, hein? Vous avez vu. C'est pourquoi j'ai dit aux gens très souvent de désarmer leurs propos et de désarmer leurs verbes. Quand ils disent souvent les musulmans ont attaqué, laisse ceci, on fait ceci, c'est vrai. Mais voilà lui qui partait casser, qui partait attaquer les mosquées et qui partait attaquer les églises. Oh, lui là, Dieu est en train de nous montrer l'ennemi
de la Côte d'Ivoire. Parce que hier, il y a des églises qui ont été attaquées. Oui, oui, des églises qui ont été attaquées. Il y a des mosquées qui ont été attaquées aussi. Vous comprenez? Pour que les Ivoiriens se fassent par là. Vous comprenez là? Ou alors lui qui a attaqué les mosquées et en même temps qui a attaqué les églises. Mais voici, ça va, il n'y a pas à aller chercher loin. Dieu est en train de montrer à tout le monde. Voilà votre ennemi. Depuis qu'on a laissé l'ennemi rentrer dans la maison, la Côte d'Ivoire ne s'est plus sentie bien. Depuis qu'on ouvre le bonnet, a fait, je dirais, l'erreur d'accepter Drahou Ouattara dans notre pays, la Côte d'Ivoire a perdu sa sérénité, sa paix, sa quiétude. Elle a tout perdu. Voilà ça. Il a cassé près de 30 mosquées. Même la semaine dernière, à Pau, il a cassé près de 2 mosquées là-bas. Il n'a construit aucune mosquée nulle part. Aucune mosquée nulle part. Aucune église nulle part. Il casse les mosquées, il casse les églises. Il casse les domiciles d'ailleurs. Voilà la réalité. Pourquoi j'ai dit aux gens, quand ils veulent parler, ne dites pas les nordistes, les tout le monde. Dites le RDR et Draman Ouattara. Dites le RDR et Draman Ouattara. Là, oui. Donc, chers camarades, il faut qu'on se mette ensemble. Hein. Il faut qu'on s'unisse. Hein. Il faut qu'on s'unisse. Hein. Vous avez compris? Il faut qu'on s'unisse. Hein. Pour chasser le Draman. Hein. Sinon, c'est pas bon. Hein. Voilà, il c'est pas bon. Ça, là, c'est plus. 30 ans, ça y est là. 30 ans, ça y est là. Depuis 1994, on va dire. On est en 2024. 30 ans, que ça y est là. Il est venu casser sa bras comme ça facilement. Les gens sont nés là, habitués à là, vivent là, prient là, frère, se répandent là, font toutes les queues. Non, toute leur vie est là. Et il vient casser ça un matin. Tiens, il a cassé à Tréville encore. Il a cassé à Tréville. Une église à Tréville. Tiens, camarade, mettons ensemble. Pour goûter hors de notre état, le diable. Ce qu'il voulait vous dire. Si je suis vive l'Afrique libre, vive le pan-africanisme, vive le peuple africain. Babou, président de la République de l'Ouest 2025, Inch'Allah, on est ensemble. Merci.